Salut les trous de fion! Le retour de Rudy! Putain, eh ouais, je suis de retour les mecs pour de nouvelles vidéos. J'avais pas le temps, j'avais plein de trucs à faire et tout. Et puis là, je suis en vacances. Alors du coup, je dis putain, vas-y, Rudy, prends du temps, fais des vidéos, ça va t'amuser, ça va te détendre, ça va être génial! Alors pour mon comeback, les mecs, je vais pas vous présenter genre un truc de fou, tu vois, un coffret limité à 10 exemplaires dans le monde, le truc qui vaut 15 000 euros. Tu vas pas être en extase devant ma vidéo, tu pourras pas te branler devant, tu vois, c'est pas un truc exceptionnel. Hein. Mais bon, je suis sûr que tu vas kiffer, poteau, tu vas kiffer l'objet que je vais te présenter. Tu vas dire, mais heureusement que t'es là, Rudy, pour me présenter des trucs comme ça pour que je l'achète, quoi, hein? Non, moi je vais vous présenter un truc un peu dans le move du moment, tu vois, c'est un peu vraiment la mode, la tendance justement sur Batman. Et voici l'objet en question, c'est un magnifique coffret Batman 80 ans avec des pins en édition limitée. Ouais. Mais avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, parlons de la boîte. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une boîte toute noire, mate. Vous avez le petit logo en brillant au centre pour les 80 ans. Vous avez un petit cerclage en carton pour apporter un peu de couleur peut-être. Et derrière, vous avez le logo de Batman ainsi que Gotham City en brillant. Après, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais ça rajoute un petit côté qualitatif justement au coffret. C'est un peu plus classe. Comme ça, avec vos habits, vous pourrez dire « Vous avez vu mon coffret, il est vraiment très classe ». Et ils répondront oui, il est vraiment très classe au coffret, oui j'adore le petit effet mat avec le petit effet brillant. Et derrière, le petit logo avec la ville de Gotham qui brille. Et c'est l'heure de l'ouverture du coffret. Et voici les magnifiques pins Batman. Et franchement, ça a de la gueule. Niveau présentation, en fait à l'arrière vous avez un petit effet mousse justement. Chacun a un petit trou pour prévoir justement les petits trucs derrière, là, les petits picots. Et vous avez une petite plaque métallique tout en bas collé sur le coffret avec écrit Limited Edition, et moi j'ai le numéro 1279 sur 2000. Et vous l'avez si bien compris, c'était une information cruciale. Et bien, ce coffret est limité à 2000 exemplaires dans le monde. Motherfucker bitch man. Donc vous avez 8 pins au total qui sont en métal, hein. On pourrait croire que c'est peut-être du plastique sur la vidéo, mais non, c'est bien du métal, qui justement représente en fait le logo de Batman, hein. Je pense que vous l'avez compris. Dans ces différentes périodes, ça a été redessiné, retravaillé à chaque fois. Et tout en bas à gauche, eh bien vous avez le pins spécial 80 ans Batman, vraiment très beau aussi. Alors ce que je vous ai pas dit tout à l'heure quand vous ouvrez votre coffret, c'est que vous avez à l'intérieur 8 cartes postales, qui sont les couvertures de Batman. Elles reprennent tout simplement les événements les plus marquants de Batman en couverture. Elles sont en format carte postale. Enfin, vous n'avez pas des trucs pour écrire derrière avec mettre le timbre et tout. Bon, après, vous faites ce que vous voulez de vos cartes postales. Si vous voulez écrire derrière pour votre pote, machin, et le dire, je passe des super vacances et tout, alors du coup, je t'envoie une carte postale Batman. Après, voilà, vous niquez un truc collector et après, c'est de votre faute et vous en voudrez qu'à vous-même. Hein. Ne fais jamais ça. Vous enlevez le petit attache carte noire, hein, tout simple, basique, 80 ans Batman. Et du coup, vous pourrez découvrir vos 8 cartes postales Batman. Elles sont vraiment très belles, moi j'aime beaucoup. C'est super sympa, c'est le petit truc en plus de ce coffret. Alors, la petite déception, mais vraiment... un film, hein, c'est rien bien grave, c'est juste les pins qui tiennent pas trop dans le coffret. En fait, ils se barrent un peu facilement. Bon bah, si vous secouez un petit peu, bon bah les pins vont être un peu genre en mode à la mort moelle comme ça, et il faudra juste les remettre à chaque fois. Et je crois bien que c'est tout pour cet objet, ce magnifique coffret Batman. Alors, à savoir qu'il vaut 26,99€ et qu'il faudra compter forcément des frais de port, que vous ne le trouverez que sur le site internet Zavi, c'est une exclusivité de leur site. Et avant de se quitter les poteaux, voici un autre coffret Batman. Alors ça, c'est un coffret DVD qui regroupe l'intégrale de la série animée de 1992. Tu vois, c'est mon époque, quoi. C'est le truc des années 90. Franchement, elle est terrible, cette série. Je ferai une vidéo de présentation sur ce coffret, vu qu'on est un peu dans l'année de Batman. Si vous avez l'occasion de trouver, de pouvoir l'acheter, eh bien, je vous le conseille. Et c'est tout pour aujourd'hui, les potos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour vous aura plu aussi, que ça vous aura fait plaisir. Hein. Peut-être que vous en battez les couilles, que vous en avez plein le cul de me voir, en fait. Mais moi, non, ça va, plutôt cool. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner, ça me ferait super plaisir, les potos. Et du coup, bah moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.